il y a Jean-Marc Dumonté qui est un excellent producteur. Je l'embrasse, Jean-Marc, qui est un pote. Il a dit qu'il ne fallait pas céder à la psychose. Il rappelle que sans rire du public, l'émission pourrait connaître une baisse d'audience. Yes. Et il a bien raison. TPMP pourrait être bientôt tourné à huis clos. Je vous le dis, c'est possible. C'est possible. Ah, on vient quand même ? Oui, bien sûr, on vient quand même. Non, je vais vous expliquer ce qui se fait, ce qui va se faire en cas d'extrême urgence. Je vous dis, j'ai un petit peu anticipé la chose. Je vous jure que c'est vrai. Comme d'habitude. Si, éventuellement, le public n'est plus autorisé à venir assister à TPMP, dans un premier temps, je mettrai donc en place des faux rires. Et des faux applaudissements. Ouais, pas mal. Donc j'aurai une boîte avec des faux rires et des faux applaudissements. Là, déjà pour commencer. Ça, donc voilà. Et le public, malheureusement, on sera dégoûté que vous ne veniez pas. Si dans un deuxième temps, on passe un cap et qu'il nous demande de rester confinés, sachez que j'ai déjà commencé à mettre des installations dans les loges pour qu'on soit filmé 24-24. Mais non. Et qu'on soit confinés ensemble. Mais non. Ça n'est pas du tout une blague. Je vous le dis. On dort ensemble ? Oui, on dort ensemble, on boit ensemble, on mange ensemble. On fait la quarantaine ensemble. On prend la douche ensemble et on fait. Normalement, c'est 14 jours apparemment. Ouais. Donc on passera les 14 jours ensemble dans les locaux ici des studios. Ouais. Et j'ai commencé déjà à étudier. Je vais mettre des caméras automatiques, bien entendu, parce que je veux le moins de cadreurs possible, parce que je ne veux pas non plus les mettre en danger. Voilà, forcément. Et c'est moi qui vous équiperai en son, moi-même. Non. Ouais, mais je vous jure que c'est vrai, c'est pas une vanne. Voilà. Et on sera voilà tous ensemble, et comme ça, on pourra offrir un programme aux téléspectateurs. Et la régie, comme ils sont loin de nous, c'est exactement. On prendra les douches ensemble. Merci, très bonne question. On peut pas se mettre en confinement dans un palace parisien. On se mettra ici, ne vous inquiétez pas, on aura des lits. Et c'est pas du tout une vanne que je suis en train de vous dire. J'ai étudié ça ce week-end, je suis venu exprès ce week-end pour voir comment on pouvait installer des caméras automatiques, etc. Voilà, donc je vous le dis, c'est ce qui se passera en cas de confinement, sachez-le, et c'est officiel. Je vous le dis, voilà, après, on va kiffer et puis on essaiera de passer à côté du virus. Oui. On peut garder une place pour Fatou ? Non, bien sûr, Fatou sera la bienvenue. Exactement. Voilà. Vous pouvez venir avec un plus un, alors. Vous pouvez venir avec un plus un ou un moins un. voilà. Non, mais voilà. Donc, si on passe au stade 3, le public part. Ah oui. Si on passe au stade 3, le public ne sera plus là. Exactement.